passons devant cette grande ferme comme il y en a tant dispersées dans cette belle campagne de France. Rien ne semble attirer particulièrement notre attention. C'est comme partout ici, la même vie calme et paisible par cette radieuse matinée de printemps. Arrêtons-nous pourtant et regardons plus attentivement. Des scènes charmantes et touchantes vont s'offrir à nos yeux. Et là aussi, c'est la lutte pour la vie. C'est dur de trouver le grain quotidien. Tiens, tiens, un flirt s'ébauche. Mademoiselle, écoutez-moi donc. Oh! Il finit bien mal. Notre grosse mère poule se désaltère avant de reprendre sa tâche quotidienne. Elle coule, tâche bien émouvante. Pendant 21 jours, elle va s'asseoir sur ses œufs, délicatement, prenant bien soin qu'aucun ne se brise ni se refroidisse. Elle attend. Elle sait que bientôt la vie naîtra sous elle. Elle rêve à sa future famille. Elle espère. C'est aussi la meilleure manière de marcher sur les œufs. Difficultés de l'existence, que tout lui semble grand de par ce vaste monde. Faites comme une dame, disons-nous couramment, et pourtant, elle sait inculquer à ses petits le sentiment de prudence. À l'abri du parasol de sa queue, ceux-ci se sentent protégés des chats et chiens de mauvaise réputation. L'orgueil paternel se déploie. Joie de vivre partout, jeux innocents et insouciants. Peut-il en être autrement sous ce soleil généreux quand il y a à manger pour tous ?